Salut tout le monde, c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo acharante. Comme promis, là ça va être sur la Tech 59. Les mecs, il y a moyen de se faire des gros bénéfices sur la Tech 59. J'ai essayé un petit peu hier soir pour tester en préparation de cette vidéo. Et en fait, je comptais pas tourner cette vidéo maintenant, mais là il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que je devais vous tourner cette vidéo maintenant, les mecs. Regardez Douglas Costa, je l'ai eu à 4000 crédits, 4500 crédits même exactement. Attendez, je vais vérifier ça, c'est ça, 4500 crédits. Regardez les moins chers à combien ils sont. Ils sont à 30 000 les mecs. 30 000 les moins chers, je vais l'envoyer vers la liste des transferts. Je vais vous montrer ça. Regardez ça, 30 000, il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul les mecs. 30 000 c'est le moins cher, je l'ai eu à 4 000. Donc il y a vraiment moyen de se faire des gros gros bénéfices. Je vais le revendre tout de suite en Tech 59 pour être sûr qu'il parte. Regardez ça, le bénéfice que je vais me faire les mecs, c'est vraiment incroyable. 29 750, on le revend rapidement. Le but, c'est si vous chopez un joueur, mettez-le un tout petit peu en dessous de son prix minimum pour qu'il reparte le plus rapidement possible, tout simplement. Comme il n'y a pas encore beaucoup de monde sur le jeu, il vaut mieux revendre rapidement ses cartes pour pas perdre de crédit, pour pas risquer de perdre de crédit. 29 750, on le liste et normalement il devrait partir, les mecs, ça fait vraiment plaisir. Un gros bénéfice à venir. Et je voulais vous montrer également le Benteke que j'avais chopé à 7000 crédits, que j'ai vendu à 12000. Vous voyez ici une équipe concept tout simplement avec les joueurs qui vont le mieux marcher pour la Tech 59. Enfin, les joueurs que j'ai testé moi et qui marchent vraiment très bien. Donc vous avez du Benteke comme je vous ai montré, du Loïc Rémy, du Bolasie qui marche aussi très bien, du Ben Arfa que j'ai déjà dans mon club, Ramsey, Sturridge qui marche aussi très très bien. Vous pouvez tester aussi du... qui est-ce que j'avais testé déjà, je me souviens plus si c'est Juan Mata, voilà, je crois que je vais le dire dans la vidéo. Mais Juan Mata, vous pouvez tester également Sako, Vertonghen, Lloris qui coûte un petit peu cher encore. Et Debuchy, voilà, ça c'est une liste que vous pouvez tester et qui marchera et vous ferez vraiment des crédits. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, j'ai vendu le Douglas Costa et sûrement que dans les clips que vous verrez juste après, il n'est pas encore vendu. Mais vous inquiétez pas, je l'ai bien vendu, vous verrez le screen à la fin de la vidéo. Je vous laisse avec la suite, je vais vous montrer tout simplement mon bénéfice transfert. Je suis à 58 000 crédits de bénéfice, donc c'est plutôt pas mal hein, moi je trouve. Alors est-ce qu'il s'est vendu? Non, toujours pas, je vous montrerai quand il se sera vendu. Et je vais vous montrer quelques joueurs qui marchent bien. Donc voilà, il y a Douglas Costa qui marche très bien, Loïc Rémy marche également très très bien. Loïc Rémy qui a un prix maximal de 10 000 crédits il me semble. Loïc Rémy qui se vend à 10 000 et normalement vous pouvez le choper en Tech 59 facilement. 9000, vous voyez, 8009, ah non, 9008. Donc vous voyez, là c'était 9000 le moins cher. 9000, ça vous fait déjà du bénéf. 9000, il est pas encore parti, je vais pas le prendre. Mais vous voyez, vous mettez un petit peu en dessous et vous recherchez. Et normalement, vous devriez tomber sur du Douglas, enfin sur un joueur intéressant. Vous voyez, Douglas Costa, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur lui. C'est une très bonne affaire, tout simplement. Je vais vous montrer d'autres joueurs qui marchent très bien. Donc il y a Rémy, comme je vous ai dit. Benteke marche très bien également. Juan Mata marche également très très bien. Juan Mata qui coûte dans les 8900 il me semble. Non, un petit peu plus. Combien est-ce qu'il coûte Juan Mata? Ouais voilà, il doit être dans les alentours de 10000. Donc il coûte 9700 le moins cher. Hop, 9700 le moins cher, 9400 ici. Et tout simplement, ce que vous faites, comme d'habitude, je pense que pour la plupart vous connaissez la Tech 59. Le principe, c'est de l'acheter le moins cher possible, mais à la 59e minute. Donc l'avoir à un prix vraiment très bas. Essayez là de le choper vers les 8000, 7000 et vous pourrez le revendre avec pas mal de bénéfices. J'espère que cette vidéo vous aura plu les mecs. Vous avez vu ce bénéfice là, vous aurez à la fin un petit screen, restez jusqu'à la fin, du joueur vendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like pour le soutien, pour plus de vidéos, tout simplement si vous kiffez les vidéos d'achat-revente, pour vous faire le maximum de crédits. C'est vraiment très faisable de se faire des crédits en ce début de FIFA 16 tout simplement. Sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine, c'était Ben, ciao les gars.